You look lonely. I can fix that. Salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de notre incroyable petite aventure sur Little City Big Kitty. À moins que c'était Little Kitty Big City, je crois plutôt. J'espère que vous allez bien, les amis. De retour pour cette aventure de folie. Souvenez-vous, on s'en était arrêté ici. En fait, on a comme mission. Et bien actuellement de trouver des petits canards, on en a trouvé un et il faut choper ce poisson que ce bonhomme est en train, que ce pêcheur est en train de pêcher. Je me souviens que j'avais galéré à le choper dans le précédent épisode à la fin et j'avais dit que je le ferais en off, mais au final j'ai pas eu le temps. Et donc du coup aujourd'hui je vous tourne cet épisode et donc on commence direct et on va essayer de se le choper. Comme c'est scripté, j'imagine que de toute façon il va dans tous les cas tomber sur moi. Faut juste pas que je me trompe de touche. Oui. Voilà, j'ai trop le seum. Je connais plus les touches. Bon bah je vais recommencer à tout de suite. Allez, ça y est, le pêcheur a son poisson. Je suis prêt pour faire le marathon de ma vie. Voilà, fais tomber ton poisson. Et voilà. Cours. Ouais. Ouais. C'est bon. J'ai réussi. Voilà. Bien fait pour toi. Eh bah putain, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Bon, maintenant que j'ai le poisson, je peux faire quoi? Je peux le manger. Ok, je vais manger le poisson. Voilà. Voler le poisson du pêcheur. Un autre délicieux poisson. Vous pouvez désormais grimper encore plus haut. C'était ça. Tout à fait. C'est délicieux, j'ai hâte de pouvoir grimper encore plus haut. Tu m'étonnes. Comment j'enlève cette boîte de dialogue? Je ne sais pas. Ouais, j'ai compris, je peux grimper plus haut. Donc voilà, on fait comme ça. Bon, là je pouvais déjà grimper, c'est pas non plus incroyable. Hop, bondir. Ah, je sais où on va aller déjà. Alors, rentrer à la maison, réunir la famille. Donc c'est trouver les canetons au papa, hein. Et trouver Caméléon. Ah oui, alors il y a tellement de choses à faire. En fait, bah il y a un autre poisson ici. Il est où le daron caneton là? Pourquoi il y a un caneton là-bas? What the fuck? Bon, attendez. Je sais où je veux aller. Hop là. Je sais où je veux aller. Mais je sais plus où c'est. Attendez. Il y avait un endroit. Bah, c'était là? Aïe. Salaud, va. Allez. C'est par ici, ouais. Tout à fait, absolument. C'est là qu'on avait trouvé Caméléon, d'ailleurs. Pas du tout. C'est pas là que je pensais. Cela dit, est-ce qu'on peut monter là? Non, on peut même pas monter. Alors attendez les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'avoir enfin pu avancer. Ah, je vais retourner au chantier là-bas où il y a le béton. Puisque selon moi, Monsieur Caméléon est là-bas. Oh. Attendez. Non. Selon moi, Monsieur Caméléon est là-bas. Je me trompe peut-être. Mais pour moi, il est là-bas. Donc on va le voir. Non, comme ça. Comment on rampe? Comme ça. C'est compliqué hein, quand t'as pas joué pendant une semaine de se remettre. Qu'est-ce qui lui arrive lui? Pourquoi il me court après? Ouais, oh, c'est pas possible. Hop. Voilà. En fait, pour moi, le caméléon est ici. Pour moi, le caméléon est là, puisque l'énigme, si je puis dire, c'est. Il existe un lieu où les casques luisent, où le béton coule et les outils construisent. Là-bas, je te réserverai mon meilleur accueil, invisible à ton étrange œil. Donc, pour moi, il est là. Mais il y a peut-être d'autres endroits où il y a du béton. Il y a peut-être d'autres endroits où il y a du béton, tu me diras. Bon. Ah, vous voyez le lierre, là? Oh, on peut peut-être pas le monter, celui-là, encore. Il faut peut-être encore manger un poisson. Bon, j'ai compris. On peut pas encore faire grand-chose. Donc, on se casse d'ici. Et on va devoir chercher, je remets la carte, excusez-moi, on est ici, il y a le canard qui me suit là. On va aller tout droit et il y a un canard ici, dans la boutique. Il y a un caneton dans la boutique. On va commencer dans l'ordre. Hein. Hop, 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 hop. Donc ici normalement, là il y a un canard. Ah oui, absolument. Ah bah, il y a un truc que... Ah, attendez, souvenez-vous. Alors la mamie, elle va me courser, mais... Oh! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah oui, les chats ont peur des concombres. C'est vrai ça en plus.
Je sais pas d'où ça sort, mais c'est vrai. Alors, souvenez-vous, on avait déjà monté ici, mais on s'était cassé la gueule. Voilà, c'est à peu près l'idée. Donc, on va essayer de grimper pour voir s'il y a quelque chose là-haut et si ça se trouve, il y a un caneton. Alors, je vois pas ce qu'il aurait foutu là-haut. Mais on va voir. Hop. Oh non. Ah si, c'est bon, j'ai réussi. Je suis un professionnel du parcours, évidemment. Hein. Ne pas reproduire. Voilà, sur le balcon. Eh ben voilà, il est là le caneton, je suis mort. Ok. Est-ce qu'on peut monter là encore? Oh. Non. Je vais surtout faire une dinguerie. Voilà, on va éviter de tomber. Donc c'était là que je m'étais cassé la figure. Sauf que là, maintenant, on va faire gaffe. Et hop là. Bon alors, monsieur caneton, là. Enfin, monsieur caneton, petit caneton. Bonjour là-haut. Salut, tu es là pour me voir voler, minou. Je suis super doué. C'est vrai, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Ton papa m'a demandé de te retrouver et de te ramener à la mare. C'est déjà l'heure de se raconter ce qu'on a découvert? Eh oui. Bon, d'accord. Mais y a un problème? Pas exactement, c'est juste que je sais pas trop comment j'ai fait pour m'envoler et je sais pas non plus comment faire pour arrêter. Je vois. Alors, malheureusement, je vais devoir rester en haut. Youpi! Ne t'en fais pas, je vais t'aider à descendre. Oh là 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 là. Prends tout ton temps, évidemment. Allez, va falloir couper l'aération. Va falloir couper l'aération. Oh punaise. Oh, qu'est-ce que c'est? Un truc, un qui brille. Hop là, 37ème qui brille. Comment on coupe la ventilation? Ça, c'est le genre d'énigme qui va vite me saouler. Comment on coupe la ventilation? Non, mais sans déconner. Je dois être sacrément débile. Comment on coupe la ventilation? Je vais quand même pas redescendre. C'est complètement idiot. Comment couper la ventilation? Ah! Tout simplement. Allez! Des fois, faut pas chercher plus loin. Voilà. Impeccable. Et tu vas te casser la gueule, attention. À la queue le 2 sur 4. Oh, ça fait trop bizarre de se retrouver sur les planchers des vaches. Ça ne t'a pas fait peur d'être coincé aussi haut? Ben non, les oiseaux n'ont pas le vertige. Papa dit toujours que le vol, on a ça dans les plumes. En parlant de ton papa, on devrait retourner le voir. Je vais lui dire que j'ai volé comme un pro. Tu penses qu'il m'a vu dans les airs? Allons-y, comme ça tu pourras lui poser la question. D'accord. Ok. Ça, c'est fait. Il n'y a plus rien à voir ici, je saute. Allez, et je saute sur les passants. on va enchaîner directement. On a un poisson à notre droite. Ah, mais c'est même pas le canard. S'il y a un autre canard à... What the fuck? Attends, je comprends pas là. Il y a une machine à laver? J'ai du mal à suivre. J'ai du mal à suivre. Il doit être dans ce bâtiment là encore, l'autre canard. Oh, et les flaques d'eau, ça commence à me gonfler. Ah, je vais pouvoir grimper maintenant. Je pense. Eh ben, il est là-haut. On voit l'aura. Hop, on bondit. Kiki de bondi. Hop, allez, j'espère que ça va marcher. Ah ouais, à mon avis, je vais pas encore avoir assez de force. Alors, si je descends là, comme ça, je reprends un peu d'énergie. Ok, et là, j'y vais. Hop. En vrai, il y a un monde. Il y a un monde où j'ai pas assez de poissons. Ah, j'ai trop le seum. Faut que je monte là. Et encore? Mais non, mais même pas. Attendez, il a l'air d'être dans le bâtiment, le gars. Il a l'air d'être dans le bâtiment, le gars. On peut pas ouvrir cette porte? Ah, mais... Aïe. Ça fait mal. Aïe, tu t'es fait mal. Puff, puff, puff. Il faudrait rentrer dans ce bâtiment en vrai. Ça sert à rien de monter, je pense. Tac, 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 tac. Si on regarde par ici. Ah non, là c'est pareil, tu peux pas. Ah mince, quelle bite. Juste là, messieurs, dames. Facile. On va descendre là. Ok, on fait tomber évidemment les vases. Hein. On change pas les bonnes habitudes, on est là pour ça. Là en plus, il y a un qui brille. Hop, je récupère. Ça, je fais tomber. Ah. Je réfléchis. Ah mais non, mais il y a une fenêtre. Attendez. Non.
Mais putain, j'en ai marre. Pourquoi je fais des bêtises? Je suis un vrai chat. En fait, c'est ça, je suis un vrai chat, comme vous dites en commentaire. Je pourrais m'incarner comme chat. Tellement je fais n'importe quoi. Allez, reprends tes esprits, là. Voilà. Hop, on va descendre ici. Voilà, il y a la fenêtre ouverte là, donc je passe ici. Ah, superbe. Superbe, le ventilateur. Hop, je le fais tomber. Qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas qu'il y a un caneton bloqué dans le... dans le panier. Alors attends, comment je vais faire? Comment... Dégage toi. Comment je peux faire? Je peux même pas le... Je peux tirer ça? Non, je... D'accord. Parler... Ah! Bonjour. Ton pa... Là, je crois que c'est pas le moment de discuter, là. Je n'ai pas fini de tourner. Je ne peux pas encore sortir. Ça va tourner encore longtemps? Je sais pas. J'ai mis 400 qui brillent. Ça fait combien de temps? Oh non. Les humains les jettent dans l'eau pour faire des vœux. J'imagine qu'ils ont souhaité que je passe une superbe journée dans cette machine. Eh oui. Tu pourras me ramener dès que la porte s'ouvrira. Promis? Promis. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte sans attendre. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je réfléchis à voix haute, c'est tout. On se retrouve plus tard. Ok. Il faut ouvrir la... J'ai trouvé. Allez, hein, j'ai trouvé directement. Là, il n'y avait pas besoin de... Ah non? Ah, j'ai trop le seum. Bon. Allez. Pourquoi il veut pas tomber, lui? Bon, je m'éclate sur ce jeu, messieurs, dames. Il faut trouver. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Ça, je peux tomber. Ah. Non. Non, mais y'a quelque chose à faire avec ce panier et avec ce bouton, c'est sûr. Non, mais regardez ce... Ah oui, il faut appuyer. Putain. Purée, pardon, je suis vulgaire, ça y est. Il faut appuyer sur ce bouton. Mais je sais pas comment. Je sais pas comment. Ah. Il faut appuyer sur ce bouton, mais je ne sais pas comment. Je peux ramasser ça? Non. Je peux ramasser ça? Non. Je peux ramasser quelque chose ou... Non, mais là. Dormir. Céréale ronfleur. Ah, ça fait passer le temps, bien sûr. Non? Même pas. Non, c'était juste pour l'achievement. Ouais, d'accord, ouais. Eh ben... Et si je rentre dans le... Dans la machine, là? Non. D'accord. Bon. Il faut que je trouve un objet. Non, mince, il faut que je remonte, surtout. Il faut que je trouve un objet. Genre ça là. Je peux le prendre? Mais pourquoi je peux pas prendre les objets maintenant? Ça y est. Jusqu'à présent, je pouvais toujours prendre des objets. C'est un truc de fou. Oh, attendez, j'ai envie de... Ah non, je voulais sauter sur l'oiseau, mais... On peut pas prendre un objet là? Oh, un qui brille. Incroyable. Là, regarde, je vais prendre ça. On va voir si ma... Si ce que je pense, c'est juste. En gros, c'est pour appuyer sur le bouton. C'est tout ce que je veux faire. Ah, mais là, il va pas vouloir monter avec. Ah si, c'est bon. Ça, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Et hop. Voilà, on va voir si ça marche. Hein. Si ça marche, franchement, je suis un génie. Hein. Et hop. Hop, et là. Ça ne marche pas. Voilà, bon, il fallait essayer. Et comment veux-tu? Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Eh, vous voulez pas m'aider, les copains? Je peux pas ouvrir la porte là. Allez, je vais péter un plomb. Appuie sur ce bouton. Ah. Il fallait courir dedans, j'en ai marre. Tu m'as vu là-dedans, je fais des cabrioles dans tous les sens. Oui, j'ai vu, tu n'as pas la tête qui tourne. Non, je suis tout chaud et ébouriffé comme une serviette toute propre. J'ai trop hâte de raconter à papa mon aventure dans la machine de la mort qui tue. Tu es prêt à aller le retrouver maintenant? Ouais, c'est parti. Fallait appuyer sur le bouton, j'avais raison, mais fallait y aller à fond. Oh là 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 là. Le pire, c'est que regardez, paf, j'ai pris l'habitude de me prendre des murs. C'est pour ça que ça m'a fait flash.
Voilà, j'en ai trois. Maintenant, il m'en reste encore un dernier. Ce dernier est là-bas et ça tombe bien parce qu'il y a un poisson également. Il y a également un poisson d'ailleurs là. On va le choper. Faut qu'on fasse ça en même temps. Hein. Donc, ce serait tout droit là-bas le poisson. Allez, on y va. On y va parce que c'est super important le poisson. Hein, parce que là, sinon, on va pas pouvoir grimper où on veut. Et à mon avis, il va le falloir. Dégage-toi. Allez, hop. Voilà, merci. Mais vraiment super sympa ce jeu. Là je peux monter maintenant aussi là. Ça c'est pas mal ça. Hop. Et hop. Et un qui brille. Oh un autre qui brille. Oh là là. Ok. Oh un ballon. Je sais pas où je vais. C'était pas là que je voulais aller mais vas-y c'est cool. C'est cool de... Ça se trouve j'ai trouvé le caneton là où je vais sans faire exprès. Hein. Mais là je pense qu'il y a... Vu l'escalade qu'il y a... Il y a évidemment quelque chose à faire ici. Alors attention à ne pas tomber. Oh là là. Oh un nid d'oiseau. Oh le nid d'oiseau. Hop je vous vole les œufs. Oh je peux pas récupérer, j'ai trop le seum. Voilà. Je peux aller en face. Mais je peux également monter là. Non? Oui si je peux monter là. Ok. Oh il est là le canard. Mais trop bien. Ah non pas du tout. Je suis con. Oh chat. Waouh! Quel magnifique coin de sieste! Je me demande s'il se libérera bientôt. Excuse-moi. Ok, ouais, c'est pour faire les achievements de dormir, quoi. Pardon, je pensais que tu étais réveillé. C'est l'heure du dîner? Je ne sais pas. J'ai mangé plein de poissons aujourd'hui. Tu as une horloge du ventre? Eh oui, les vrais chats, ils ont leur horloge interne. Ils savent te réveiller, machin. L'humain a déposé à manger dans ma gamelle. Tu penses qu'elle va bientôt sonner? Qui sait, ce n'est pas moi qui manie l'ouvre-boîte. Hein. Excellent. Très bien. J'ai fait au moins 10 pas de plus que d'habitude ce jour-là. Un scandale, j'ai perdu un précieux temps de sieste. D'accord. Et oui, le chat attend que le maître lui donne à manger. Bon, là l'autre il dort, il fait ses rêves. Un rayon de soleil désirable. Ah donc on a un petit défi. Cette chatte ne quittera son coin que pour son dîner. J'ai intérêt à lui trouver de quoi manger avant de sonner la cloche. Oh tout ça pour dormir. Oh bah la cloche elle est là. Ah oui mais il faut que je trouve à manger. Il faut que je trouve à manger. Les gamelles sont là. Et ben, mais saute là. Alors parce qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi hein. Parce que j'ai l'impression que je peux aller là-bas. Oh, mais là, j'arriverai pas à monter après. Oh merde. Oh non. Oh, c'est la glissade. Oh, j'ai réussi à me sauver in extremis. Non ! Oh non ! Mais c'est pas possible ça ! On y était presque. Oh, je suis bloqué. MDR. Attends, je suis monté par où moi ? Oh, sauter. Hop là. Excusez-moi, hein, je suis un chat, j'ai trouvé une poubelle. Voilà. Est-ce qu'on va trouver des kibris peut-être? Oh trop bien Rubik's Cube. C'est trop bien ça. Petit Rubik's Cube. Ok. Lâche. Lâche. Bon il veut pas lâcher. C'est par là qu'on monte. Voilà tout à fait absolument. On va remonter parce qu'à mon avis l'autre chemin qu'on a trouvé. Si vous voulez mon avis. Tu veux acheter un chapeau? Non, non. Non, non. Je dépense pas mon argent pour ça, moi. M'en fous, moi, de tes chapeaux. Chapi, chapeau. Hop. Hop. Impeccable. Tac. Impeccable. Par ici, messieurs, dames. Là, je vais faire une bêtise, à mon avis. Ouais. C'est par là que je dois aller. Voilà. Ah, bah là, il y a à manger, non? Ah, dommage. Voilà, et là je pense que je peux aller en face. C'était ça la... La petite subtilité, il y a quelque chose là aussi en vrai. Oh, il y a trop d'endroits à aller voir. Alors déjà, est-ce que ça passe là? Oui, absolument. Absolument pas. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. C'est pas grave, regardez. Voilà, on gagne du temps quand même. Ah, ça fait chier. Mais c'est bien fait. Ça te fait creuser la tête. C'est très énigmatique. Donc ça te fait vraiment traverser plusieurs fois les mêmes chemins. Mais bon écoutez c'est le plaisir. Puis au moins ça me permet de reprendre la main également. Là on dirait que j'ai fait ça toute ma vie.
Puis là je peux monter là en plus. En vrai, pas du tout. Arrête tes conneries. Non, fais pas de bêtises. Tout peut aller très vite. Même si un chat retombe toujours sur ses pattes. Généralement en tout cas. Bon, du coup on a trouvé un autre accès que je ne pensais pas. Et donc c'est ici même. Voilà. Je récupère le petit qui brille. Et à mon avis... À mon avis... Oh. Oh non. Mais s'il te plaît... Voilà. Par ici. Dis-moi que j'ai assez. Ok, c'est bon, je vais avoir assez. Je me repose là. Ok. Non mais en fait ça me permet de remonter... Ça me permet juste de remonter là. Ah. Ah ah. Attendez, j'ai encore trouvé quelque chose. J'ai encore trouvé quelque chose. Hop. Oh non. Voilà, c'est le jour où vous voyez un chat faire ça, franchement. Wow, c'est trop stylé. Est-ce que ça passe, vous pensez? Oh oui. Voler le déjeuner de la jardinière. Il doit y avoir... Ah ben voilà. Attendez, parce que je suis où là? C'est là où il y a le poisson? Attends, je te vole juste ça, madame. Non, s'il te plaît. Attends, madame. Ok, j'ai compris, je vais te couper l'eau. Je vais te couper l'eau, madame. Et je vais tout te casser. Elle prend un malin plaisir à m'arroser. Alors, bouge pas. Ah. Si, si, faut que j'aille là. Hop. Voilà, ça c'est excellent. Et voilà, tout simplement. T'as le seum, hein. T'as le seum. Et là, elle va vite réactiver le machin. Mais comme ce jeu est bugué, voilà, ça régale. Hop. C'est quoi que je suis censé voler en fait? Attends, c'était quoi que j'étais censé voler là? Parce que c'est... Bon, au moins elle a ouvert la porte. Ah. Vas-y, fonce. Ouais. Non. Putain, c'est abusé ce jeu. Bon, c'est... Ah, faut que je grimpe là. Ah, c'est derrière. C'est bon, j'ai capté. Ah, et j'avais pas compris aussi. Bon, c'est pas évident, hein. En plus, un chat mouillé, c'est terrible. Bon, au moins, du coup, elle a ouvert la porte. Ce qui va me faire gagner un temps de dingue. Voilà. Hop. Ah, t'as trop le seum, hein. Et là, le poisson, je le prends. Et je me casse. Oh wesh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai attaqué le poisson! Hop! Et là, je me régale. Tout simplement, le troisième poisson, un autre délicieux poisson, vous pouvez désormais grimper encore plus haut. Voler le déjeuner de la jardinière. Cependant, je n'ai toujours pas réveillé la chatte là-bas. Et ça, c'est fort ennuyeux. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de grimper? Non, même pas. En fait, on fait plusieurs missions en même temps, hein. C'est pas évident. Mais c'est très sympa tout de même. On est où là? On est à l'opposé du dernier poisson et du canard, donc on va pas encore s'y attaquer. On va continuer. Faut qu'on continue, les amis, cette énigme. Hop, toi tu tombes. Faut qu'on continue cette énigme. Et on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode. Mais d'abord, voilà, il faut qu'on arrive à trouver un moyen. Mais je pense que chez la jardinière, il y a encore des trucs à faire. C'est sérieux là? Je pense que chez la jardinière, il y a encore des trucs à faire. Hop. Hop. Oh non. Oh, c'est bon. À chaque fois, j'ai peur de me viander. Allez, arrête de te cogner partout. C'est pas possible, c'est un vrai boulet lui. C'est un vrai boulet ce chat. Hop, hop. Voilà, par ici. Toujours rien à voler là. Hop, on va grimper. Là, si c'est possible. Ouais, d'accord. Oh non. Oh là là, j'ai failli faire une belle bêtise. Mais pourquoi je peux plus grimper là? Avant, je pouvais. Bon, c'est bizarre. Hop. Par ici, les amis.
Là, j'ai failli faire une belle bêtise aussi. Ah là, du coup, je peux grimper. Oh, je vais péter un plomb. Oh, je vais péter un plomb. Non, c'est une vanne. C'est une vraie vanne. Eh bien, vous savez quoi? Eh ben, ce chat, il ira se faire foutre et on n'ira pas dormir. Oh, il y a un truc là-bas. Il y a un truc qui brille. Certainement un qui brille encore. Bon. Ah! Bonjour, regarde, il m'en manque un encore. Ah, si tu savais comme je suis soulagé. Attends, il en manque. C'est le genre de détail que mon épouse remarquerait. Je veux suivre Minou, s'il te plaît papa, dis oui, c'est d'accord, pour accompagner le chat, mais pas de bêtises. Oui, il fait juste les mêmes bêtises que moi. Très bien. Bah les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Le chat qui dort, on va le laisser dormir, tant pis pour lui. Hein. Nous, là, prochain épisode, on va s'attaquer aux poissons, au dernier canard également. Et on va voir pour la suite, voilà, réunir la famille et rentrer à la maison. Voilà, trouver Caméléon, ça va se faire je pense par la suite. Et puis le rayon de soleil désirable va te faire foutre pour le moment. Voilà, j'ai envie de te dire. Et toi c'est pareil, hop tu tombes. Hop, merde, tombe. Voilà, et je te prends ça. Oh, manger. Mais c'est pour le chat. Let's go. Attendez, attendez, c'est pas la fin d'épisode finalement. J'ai compris. Et franchement, comme quoi des fois la vie elle est incroyable. Voilà, on va pouvoir réveiller le chat. Oh là là. Non mais c'est complètement fou ce jeu. C'est complètement fou ce jeu. Il suffit d'être un petit peu... Faut que les étoiles soient alignées quoi. Alors attends, hop. Ah là, finalement, on va pas s'arrêter là. On va réveiller le chat là je pense. Bon, j'espère juste ne pas tomber parce que là ça va juste me saouler. Hop. Hop. Alors, y a pas moyen d'aller plus vite là? En vrai, regarde, si je fais ça là. Non. Alors on va éviter de faire des dingueries. On va prendre notre temps. Il vaut mieux prendre son temps à monter que de faire le fou et tout redescendre encore et encore. Ce que le début, d'accord, d'accord. Par contre là, je vous assure que je pouvais monter là. Non mais c'est... au début je pouvais monter là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Hop. Tac, tac, tac. On y va tranquillement. Et là on tombe pas parce que là c'est un peu bizarre. Voilà. Voilà. Et là j'ai assez de force pour tout monter d'une traite. D'une traite pardon. Et là je vais lui mettre son donut ici. Voilà. Me dis pas qu'il en faut deux hein. Ah, debout. Oh t'es une vraie pétasse. Oh c'est une vraie pétasse. Il en veut deux. Eh. Oh c'est pas possible, il veut deux donuts. Il veut deux donuts. Tu crois que j'ai que ça à faire? Non mais c'est une plaisanterie ou quoi? Bon. Elle c'est un téléphone, il mange pas de téléphone. Oh là là, c'est incroyable. Lui il a une mallette. Excellent. Téléphone. Très bien. Bonjour mamé. Y'a pas quelqu'un qui a encore un donut? Superbe. Vous êtes pas des gourmands ici hein. Hop tu tombes. Hop tu tombes. Voilà. Et voilà évidemment personne a de donut. Putain mais c'est pas possible. Et toi tu tombes avec ta mallette là. Danger de chute. Superbe. Oh je peux pas prendre la mallette. Bon les amis, pas de donut. Bah les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode, tant pis. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour la suite de notre incroyable aventure sur Little Kitty Big City. C'était Mkolo et j'ai un sandwich. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. Ça régale. Allez, ciao tout le monde. Bah, qui fait cette vidéo d'Mkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mais la cache nouvelle vidéo en ligne à 16h.